Bonsoir, il y avait encore de l'instabilité dans le sud de la France ce mardi, des orages localement forts avec de la grêle. Et demain, on va retrouver le soleil le matin sur les régions d'un très grand quart nord-ouest ainsi qu'en Méditerranée. Une petite averse sera déjà possible entre les Landes et le nord de la Suisse. Dans l'après-midi, de nouveaux orages vont se déclencher sur les mêmes régions, c'est-à-dire entre le Massif central et les Pyrénées, vers les régions alpines et la montagne corse. Attention, localement, ils pourront donner de très fortes averses. Ce sera bien ensoleillé en revanche de la Bretagne en allant jusqu'à la Lorraine. Les températures se refroidissent pour ce mercredi matin dans le nord du pays, 4 degrés seulement du côté de Charleville-Mézières, on ira quand même entre 13 et 16 degrés pour le sud du pays, et dans l'après-midi un contraste assez net entre le nord et le sud, 15 à 16 en bordure de la mer du Nord, mais 27 degrés dans le Languedoc, compté sur 20 degrés à Paris, 22 à Lyon et 25 à Bordeaux. Jeudi, une alternance de nuages et d'éclaircies pour la plupart des régions, avec à nouveau un risque orageux l'après-midi dans le sud du pays, des températures en baisse, notamment sur le sud du territoire, en moyenne entre 19 et 22 degrés. Vendredi, le soleil va s'affirmer avec toujours un vent de secteur nord-est sensible pour le nord du pays, quelques ondées en direction des montagnes du sud et un réchauffement de la masse d'air attendu avec 26 degrés pour Nantes et pour Lyon et 28 en région bordelaise. On va retrouver un temps estival pour le week-end avec quelques orages vers les massifs du sud, mais l'après-midi, il fera en moyenne 25 au nord et 27 dans le sud. On gagnera encore un degré pour dimanche, quelques orages vers les reliefs du sud, mais globalement du soleil. Ce sera la même situation pour lundi, mais aussi pour la journée de mardi, sans doute une petite baisse des températures pour le nord du pays. On termine ce soir dans le sud du département du Rhône, sur la commune de Condrieu, avec des orages en cours de nuit dernière. On était aux alentours de 2h du matin, de jolis impacts de foudre photographiés par Fabio Aqualis. Demain, nous serons le mercredi 24 mai, et nous fêterons la Saint-Donatien. Bonne soirée à tous et à demain.